toi, raconte. Bah moi j'avais rencontré le réalisateur un an avant qu'il trouve les financements pour faire le film. Il m'avait proposé le scénario, j'ai accepté parce que l'histoire me plaisait et puis j'étais en plein dans mes études. Et ça tombait en l'année où je passais le bac, donc je me sentais concerné et ça me faisait rire en fait. À la lecture ça me faisait rire, l'histoire me faisait rire. Et voilà après... Tu l'as eu ton bac? Ouais, je l'ai eu. Ouais. Ouais, c'est passé. Et moi, c'est un peu comme Samy, j'ai rencontré Antoine Blossy, le réalisateur, et il m'a parlé du film, on a fait un essai et ça a bien marché, et nous voilà aujourd'hui. Et quel effet ça fait de tourner avec la film? Je pense que c'est quelqu'un que vous écoutez. Que... Bah non, en fait, c'est vrai que j'écoute pas. C'est parce que je n'écoute pas lui. En fait, je connaissais pas. Moi, je connais plus Véronique Sanson et. Marc Lavoine, nous on est à fond sur Marc Lavoine. Moi, je connais. Là, les yeux révoltent. Là, la barbichette qui tue. Non, en fait, c'était pas de l'appréhension, mais on était plus. Moi, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Et puis, quand on s'est rencontrés la première fois. C'était, voilà, c'était cool et on a tout de suite travaillé, on est rentré dans le vif du sujet. Et voilà, c'était pas un chanteur, c'était pas un rappeur qui était là, c'était un acteur. Et voilà, nous on a fait ça comme dans tous les films, quand on fait un film, on est face à des gens qui sont là pour travailler. Donc, non, c'était cool, c'était vraiment cool.